L'Himalaya est, je pense, un des endroits au monde qui a encore le rôle en partie de terra incognita, peut-être comme la jungle amazonienne, ces étendues qui sont d'une échelle absolument incroyable, qu'on ne connaît pas entièrement, et qui surtout ont fait rêver les occidentaux, les explorateurs, les voyageurs, les mystiques depuis plusieurs siècles, voire quelques millénaires. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai fait plusieurs années de terrain dans l'Himalaya indien, au Garhwal, et les premières fois que je suis allé là-bas, en parlant avec les gens, dans des villages extrêmement reculés, à l'époque pas d'électricité, pas de route, pas de télévision, rien du tout, je parle avec les gens et je discute par exemple de choses comme la « Alors vous croyez dans la réincarnation, dans la vie après la mort ?» Et la plupart des gens, moi, pas vraiment, certains peut-être, mais on ne sait pas, certains oui, mais beaucoup non. Et plus j'ai fait des recherches, plus je me suis rendu compte qu'énormément de choses que j'avais lues et vues, produites depuis ici, étaient en grande partie fantasmées en fait. Dans un désir d'aller trouver une forme d'altérité plus riche, plus spirituelle, un complément de ce qui manquait ici en quelque sorte. Alors j'ai fait des travaux ethnographiques vraiment sur l'Himalaya, des travaux aussi folkloristes, des travaux interprétatifs, des travaux d'anthropologie politique, mais j'ai à côté fait toute une série de recherches sur la manière dont l'Occident construit l'Himalaya. Alors un des objets principaux de cette exposition, c'est de réfléchir sur comment on construit la réalité, comment on en finit par stéréotyper des cultures et à les enfermer toujours dans les mêmes formes de représentation. Alors dans cette première salle, vous remarquerez la couleur dominante qui est un blanc très pur, ce fond bleu. Le blanc est censé évoquer la couleur de la neige, parce que Himalaya, l'étymologie, veut dire la demeure des neiges, le pays des neiges, en sanskrit, la langue dont vient le terme. Et j'ai réfléchi sur le blanc comme support de projection des désirs et fantasmes occidentaux. Vous voyez au centre un stupa, qui est une forme de reliquaire bouddhiste. Vous voyez sur la base carrée du sommet du stupa, là, les yeux traditionnels du Bouddha, comme on trouve sur le stupa le plus connu, celui de Katmandou. Et j'ai mis quatre yeux différents sur quatre faces. Là, on voit les lunettes d'intellectuel, parce qu'il y a ici les textes curatoriaux et du directeur du musée. Derrière, vous voyez une fresque qui a été réalisée par le peintre Adria Pina, sur la base du modèle qu'on lui a donné. La silhouette est faite par les 14 sommets de plus de 8000 mètres au monde, qui sont tous dans l'Himalaya. Et vous verrez, a priori, on voit juste une grande montagne, et quand on regarde bien, il y a beaucoup de petits détails. Vous voyez la peinture qui coule, parce que l'Himalaya, les glaciers sont en train de fondre. Vous voyez ces camions-là, c'est une photo de l'invasion du Tibet par la Chine qui a été peinte. Il y a un yeti, il y a un cadavre d'alpiniste, il y a plusieurs petits détails pour un peu rentrer dans l'univers que je propose d'explorer ensuite dans l'exposition. Alors vous voyez ici une image prise par satellite de l'Himalaya, mais justement ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'incroyable étendue, et en fait l'Himalaya, les frontières, les limites sont définies par les hommes, et selon qui définit l'Himalaya, il peut y avoir à peu près 1000 km de différence sur la longueur de la chaîne, pour les gens qui définissent plutôt un petit Himalaya ou un grand Himalaya. Alors ici on voit les principaux pays qui forment l'arc himalayen, et les zones de conflit actuelles. Il faut savoir que l'Himalaya, ça a été des invasions et des guerres tout au long de l'histoire. Et aujourd'hui, les conflits principaux, on a le Cachemire, contesté entre l'Inde et le Pakistan, et avec son projet indépendantiste aussi. Des régions contestées entre la Chine et l'Inde. Toutes ces frontières-là sont en fait discuté, contesté en fait, et dans les cartes indiennes par exemple, il y a toujours une mention que les frontières ne sont pas exactes. Si vous publiez des cartes en tant qu'anthropologue sans mettre que les frontières ne sont pas exactes, en tout cas on pouvait, je ne sais pas aujourd'hui, vous interdire de territoire en Inde.
Et il y a aussi souvent des cartes qui ne sont pas du tout à l'échelle dans ces régions-là, pour pas que les gens puissent passer, par exemple, de l'Inde au Tibet. Moi, qui suis spécialiste de cette région-là, je l'ai souvent vu. On monte sur les montagnes, on peut passer directement quasiment au Tibet. Sur les cartes, ils rajoutent des distances, des choses assez incroyables. Alors, le principe général de la suite de l'exposition, ça a été la conception de trois mandalas extrêmement différents et dont la juxtaposition permet de susciter de la réflexion, peut-être des conflits d'idées et peut-être une synthèse personnelle. Les mandalas sont des représentations géométriques qui sont utilisées soit dans l'hindouisme, soit dans le bouddhisme. Elles peuvent être en deux dimensions ou en trois dimensions. Et ce sont la représentation d'univers cosmologique, cognitif et parfois ésotérique. Les éléments sont généralement symétriques, en grande partie en tout cas, et tout est là pour une raison et souvent avec plusieurs couches de sens. Donc ça nous a semblé une excellente métaphore muséographique pour concevoir une exposition en utilisant des catégories d'entendement qui viennent de cette région du monde. Le premier mandala s'intéresse aux mises en scène classiques qui sont utilisées dans les musées et bien sûr principalement dans les musées d'ethnographie. Vous voyez au centre une colonne de très belles statuettes de bronze doré venant de Tibet, de Chine et du Népal entre le 12e et le 18e siècle. Et ils sont au centre comme ça pour exprimer aussi le fétichisme de l'objet, du trésor. Du bel objet. Il faut aussi savoir que dans les pays à grande tradition lettrée, comme l'ont été la Chine, le Tibet, l'Inde ou le Japon, souvent ce type d'objets n'appartiennent pas aux musées ethnographiques, mais à des musées d'art oriental et qui reproduisent une distinction entre haute culture et basse culture, qui informe plus sur la société qui regarde que sur les sociétés qui sont regardées. Alors, dans les quatre vitrines extérieures de ce premier mandala, vous voyez une collection d'objets du Bhoutan qui est très spéciale à différents égards parce que déjà les objets bhoutanais sortent très rarement du Bhoutan. Donc c'est une des plus grandes collections que le musée d'ethnographie de Neuchâtel possède au monde quasiment. Ils ont été donnés par le père du roi actuel du Bhoutan peu après l'invasion du Tibet par la Chine, parce que le Bhoutan était un pays complètement isolé, une monarchie complètement isolée, qui s'est rendu compte qu'elle n'avait aucune présence internationale. Et il y a eu tout un travail de rejoindre les institutions internationales à cette période et de commencer à faire connaître le Bhoutan au dehors du Bhoutan. Et bon, c'est une histoire trop longue à raconter, mais ainsi les objets sont arrivés à Neuchâtel. Alors, ici, c'est un peu la caricature d'une exposition ethnographique classique, où on répartit les objets dans des grandes catégories thématiques. Très simple, ici ce sont les rituels, les danses sacrées et la religion. D'autres vitrines ont des vêtements et des parures, d'autres d'objets domestiques, avec des cartels qui décrivent très simplement et avec une rhétorique objective, ces objets sont ça, les gens les utilisent comme ça, avec des généralités. Alors, le mur qui fait l'opposé de la fiction, c'est celui de la science, de la construction des objets scientifiques, de la recherche de faits. Il y a un nombre incroyable de disciplines académiques qui s'intéressent à l'Himalaya et qui construisent leurs propres Himalayas. Mais ce faisant, ils rajoutent souvent du désir, du fantasme dans les titres de livres, dans les quatrièmes de couverture, dans les introductions. Il y a un mur qui s'intéresse aux rencontres rapides et on va dire peut-être un peu superficielles, le tourisme de masse, les rencontres ponctuelles au travers, par exemple, des documentaires ou des musées d'ethnographie. Il y a une vitrine qui montre les objets qu'on a produits pour cette exposition, qui font partie de cette dynamique de construction d'imaginaire de l'Himalaya. Et ici, sur ce quatrième mur, on a les rencontres lorsque les itinéraires, soit individuels, soit collectifs, deviennent intrinsèquement liés à l'Himalaya pendant de très longues périodes. Les conversions spirituelles, les missionnaires, la guerre.
dans cette vitrine consacrée aux destins qui s'entrecroisent durablement, vous avez par exemple une vitrine qui s'intéresse à la spiritualité avec la reproduction d'un hôtel bouddhiste domestique. Vous avez, à la place de l'effigie du dieu, on a mis un miroir pour envoyer à celui qui regarde ou à celle qui regarde. Et derrière, des noms de personnages, de personnes connues, converties au bouddhisme. Pas forcément tous tibétains, et il y a peut-être un intrus ou pas, ça c'est au public de lire et de faire ce qu'il veut de cette liste de noms. Ici, vous avez une vitrine consacrée à la guerre, avec, il y a un crâne humain réel, le sommet d'un crâne, qui était normalement utilisé par les moines pour demander leurs aumônes et les libations, mais là on le retourne pour en faire un cadavre. Vous avez une petite installation qui évoque un lance-roquette qui sont assez fréquemment utilisés là-haut, qui a été acheté dans un bazar chinois. Et derrière, vous avez une statuette tantrique masculine qui normalement est accouplée avec une statuette féminine. Mais j'ai enlevé la statuette féminine, il a son air menaçant, son sexe en érection, et la balance a disparu, c'est la guerre. Ici encore, c'est une vitrine qui s'intéresse au conflit sino-tibétain. On a juxtaposé le petit livre rouge de Mao avec le livret bleu de la liberté tibétaine. On a mis un livre de propagande publié par la Chine, un livre d'analyse critique de la situation plutôt pro-tibétain, et les trois fameux singes, celui qui se masque les yeux, celui qui se masque les oreilles, celui qui se masque la bouche. Alors, ce troisième mandala, il a été mis au mur parce que ça évoque la virtualisation, l'écran, le plat, qui est mis en regard avec de la matérialité, c'est tous des objets qui ont été achetés ou prêtés à Valence entre mai et juin pour cette exposition, donc on a virtualité, matérialité. Et puis le mandala lui-même, il est construit sous quatre points géographiques qui forment les extrémités, disons, consensuelles de l'Himalaya, au nord le Tibet, au sud l'Inde, à l'ouest le Pakistan, à l'est on a mis là le Bhoutan. Et nous avons scénographié les résultats des recherches sur Google. Alors les premières recherches, c'est toujours Wikipédia, donc le premier cercle après les images. Et ensuite, on a choisi un certain nombre des résultats des premières recherches de façon à la fois à exprimer la redondance, parfois l'absurdité et les contenus qu'on peut trouver en jouant un petit peu avec les contenus. Au centre, vous avez le doodle que Google avait produit pour la commémoration de la première ascension de l'Everest par Hilary et Sherpa Tenzing. Alors, vous voyez aussi au mur deux films qui sont en fait la version du même film, The Razor's Edge, dont on a mis quelques extraits, qui ont été réalisés à deux époques différentes, un en 1949 et un en 1984. Ce qui est intéressant, c'est la même histoire, filmée différemment avec d'autres manières de représenter l'Himalaya, une qui est faite en studio, une qui est filmée sur place. Mais surtout, c'est que dans le premier, tout se passe depuis le Cachemire avec des gens qui sont représentés comme des hindous, alors que dans le deuxième, la grande partie, toute la partie de c'est la quête spirituelle d'un personnage, toute la sagesse est exprimée au travers de bouddhistes tibétains, ce qui marque bien le glissement et l'importance qu'a pris le bouddhisme en Occident dans les années 60, 70, 80. Et le premier film a eu lieu avant l'invasion du Tibet par la Chine. Ici, vous voyez une galerie de portraits subjectivement choisis de gens qui, par leur vie et leur activité, ont contribué à façonner les images occidentales de l'Himalaya. Alors, il y a des gens très très différents, ça va de Alexandra David Neal à Richard Gere, en passant par le Dalai Lama ou Mao Tse-tung. Et on a rajouté un certain nombre de personnages espagnols d'importance. Pour la dernière salle, on a fait une installation quasiment dans la pénombre, avec une touche de bleu pour reprendre le bleu du début de l'exposition. Et c'est une installation sonore composée en quatre points, un paysage, une architecture sonore composée par un compositeur contemporain qui s'appelle Dominique Bartassa, qui avait déjà travaillé avec le musée d'ethnographie à plusieurs reprises. Et il utilise une diversité de sons qui reprennent un peu des sons très traditionnels, des sons populaires, des sons de guerre, des sons d'alpinisme, etc. Et ça invite le visiteur
à s'asseoir et à se plonger dans la musique, à méditer et à se faire ses propres images. Et c'est comme ça qu'on termine l'exposition. Quasiment rien à voir, mais des choses à entendre et à ressentir à l'intérieur.